Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, nous pouvons lire l'histoire de Zachée. Il était collecteur d'impôts sous l'Empire romain. Cependant, Zachée habitait Jéricho. Il n'était pas romain, mais il était juif. Les Romains occupaient la province de Judée par leurs forces militaires. Et Zachée était un collaborateur. Son nom Zachée signifiait pur ou innocent. Mais sa vie reflétait tous les contraires de cela. Les systèmes romains de collecte d'impôts et des taxes étaient corrompus et pleins de toutes sortes d'abus. Les objets saisis par les collecteurs étaient vendus aux enchères, aux plus offrants. Les collecteurs principaux pouvaient alors augmenter le prix, payer aux Romains leur dû et faire du bénéfice. Le Romain pensait que les collecteurs d'impôts ne valaient pas mieux que les proxénètes, et les Juifs les considéraient comme des voleurs légalisés. La perception des taxes sur les matières premières à Jéricho avait fait de Zachée un homme riche dans sa communauté. Jéricho contrôlait une route commerciale de l'Est par le fleuve du Jourdain. Zachée était un homme curieux, et il était au courant des moindres mouvements des personnes dans la ville. Aujourd'hui, les gens venant de la Galilée étaient de passage sur le chemin de Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et parmi eux, s'est trouvé Jésus de Nazareth. Zachée avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus était un enseignant religieux et un faiseur de miracles. Et beaucoup de gens disaient que Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Zachée n'avait aucune affaire officielle à traiter avec lui. Mais il voulait le voir pour satisfaire son besoin profond. Et quand Zachée voulait quelque chose, il faisait tout pour l'obtenir. Quand Jésus le vit, il appela par son nom. Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Les personnes considéraient une maison impure lorsque un collecteur d'impôts y entrait. Et le fait d'entrer dans la maison du percepteur lui-même était impensable. Les habitants de Jéricho n'arrivaient pas à y croire. Jésus et ses disciples étaient avec Zachée. Mais quel que soit ce que Zachée était, sa réponse à Jésus était extraordinaire. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres pour la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus était ravi. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que les gens disaient de lui n'avait plus d'importance. Zachée avait été accepté par Jésus et les disciples. Maintenant, dit Jésus, cet homme Zachée est un fils d'Abraham. Bien sûr, il était fils d'Abraham, son peuple. Il était juif. Il portait un nom juif. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que Zachée était devenu comme Abraham, un homme de foi. Quoi qu'il ait été ou fait, il avait à ce moment mis toute sa confiance et son espoir dans le Seigneur. Et Dieu l'avait compté comme un juste. Zachée devait encore faire face aux habitants de Jéricho. Et eux ne lui avait pas pardonné. Mais Dieu l'avait fait.
Jésus de Nazareth et Zachée de Jéricho. Qui aurait pensé mettre ces deux noms ensemble? Mais comme l'a dit le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voyons donc ce contexte de l'appel d'Abraham, ce que nous qualifions ici de notre hérédité. C'est ce que nous allons aborder dans cet article ou à ce point. Quand Dieu vint vers Abraham et dans quel contexte celui-ci fut appelé par Dieu pour le suivre. Nous lisons dans le livre de la Genèse. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nakhor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Qu'est-ce que je voudrais désigner par la religion avant la religion ou l'intuition de la foi? Ce que j'appelle ainsi, c'est le travail intérieur, spirituel, dans l'homme, dans le cœur de l'homme, qui, bien souvent, le pousse, le fait désirer, le fait rechercher, à peine s'il en était conscient. D'où il vient, de quoi est-il fait, le sens de son existence, cette recherche inconsciente de notre sens ou de nos origines spirituelles. Sans savoir les définir, tout homme a besoin de Dieu, tout homme cherche Dieu. Il arrive simplement à un moment donné où, découvrant qui est ce Dieu et sa nature, les hommes font des choix selon qu'ils sont rattachés au mal ou bien veulent s'adopter et suivre le bien. C'est ce travail intérieur qui nous pousse à chercher Dieu. On peut l'appeler intuition. On peut l'appeler aspiration spirituelle. Mais cela est un sentiment qui vient de Dieu. Lorsqu'il est saint, lorsque c'est une recherche qui nous pousse à connaître véritablement. L'enfant pose des questions. L'adulte cherche à découvrir, est attentif, essaie d'analyser ce qu'on lui présente. Cette intuition, cette aspiration de cœur, dont dit l'Écriture, il a voulu qu'on le cherche même en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et
placé par Dieu dans notre cœur afin que nous puissions le trouver. Même dans des cultures, avant même notre temps, avant la période de Jésus-Christ, dites païennes, les hommes de tout temps ont cherché Dieu. Les hommes de tout temps ont eu un désir. Mais à cause de l'absence de la révélation et à cause de ce travail destructeur du diable, leur recherche de Dieu a très vite fini entre les mains d'un menteur, d'un illusionniste qui très souvent proposait toute forme de mystique, de spiritualité afin de garder les hommes dans l'ignorance, les empêchant de connaître Dieu. Ce que j'ai dit peut se comprendre avec le texte que nous venons de lire si haut du père d'Abraham, Terah, et de sa décision un peu bizarre de sortir de son pays, de son territoire natal, pour un voyage qui les conduira à Charan. Charan, qui s'avérera être le lieu précis où Dieu se manifestera clairement à Abraham pour l'appeler à son tour de sortir de manière volontaire et de décider de quitter la maison paternelle pour un voyage terrestre, mais spirituel. Ceci à cause du plan de Dieu qui voulait en faire le modèle de ceux qui croient en Dieu et qui le suivent dans cette marche. Voilà l'origine familiale d'Abraham, ses parents, ses frères, ses sœurs. Le père d'Abraham était Terah. Terah engendra Abraham, Nakhor et Haran, ses trois fils. Une famille ordinaire, comme n'importe laquelle, sur la terre ou maintenant. Ces familles, d'alors, vivaient empêtrées dans l'idolâtrie, par l'ignorance, ou simplement parce qu'ils avaient choisi de se livrer à ces faux cultes ou à cette fausse dévotion. La fausse dévotion ou l'idolâtrie permet un contact sans le savoir ou même en le sachant avec des puissances et ces puissances sont directement rattachées à celui qui les suscite, le diable, l'animisme, l'occultisme, le mysticisme, toutes sortes de cultes, toutes sortes de pratiques spirituelles qui ne permettent pas de découvrir et de rencontrer le vrai Dieu et Jésus-Christ, qui ne permettent pas un contact spirituel par le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, conduisent au diable, que vous le sachiez ou pas. L'influence de cette vie n'était pas sans conséquence sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Cette sorte de vie sans Dieu entraîne toujours des effets et des conséquences parfois perturbantes par rapport à la condition de vie normale ou la bonne manière que Dieu a établie pour les hommes. L'absence de Dieu est source, bien souvent, de chagrin, de tourment, pour lesquels nous payons tous, à un moment ou à un autre, des frais, un tribut, car nous n'avons pas connu ou nous ne nous intéressons pas au Créateur par notre appel, par notre obéissance pour le suivre. Selon ces règles, nous sommes alors désillusionnés lorsque toutes ces choses nous reviennent en boomerang. Pensant être libres, nous devenons esclaves. Haran, fils de Terah, mourut malheureusement avant son père. Une vie raccourcie, certainement par la perturbation de la condition spirituelle et l'interactivité de la mauvaise spiritualité. Oui, l'absence de Dieu nous réserve de belles surprises. Quand je dis belles surprises, c'est par ironie, nous réserve des situations dramatiques, nous réserve des choses parfois qui nous briseront les cœurs à jamais. Si Dieu n'intervient, nous sommes alors mal. Oui, le salaire de cette attitude, de cette rébellion ou du péché, l'Écriture nous dit que c'est la mort. Mais cette mort, elle peut au départ prendre diverses formes et expressions négatives, avant de se manifester en finalité comme une cessation de vie et le retour à la terre, sans parler bien entendu
de la conséquence et la première qui aujourd'hui malheureusement est entrée dans le mœurs, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Les hommes trouvent normal de vivre sans les créateurs. Aujourd'hui, tout le monde pense que sa liberté, son indépendance vis-à-vis de Dieu, son insouciance par rapport à Dieu est quelque chose de normal. Non, c'est cela le péché, c'est cela la rébellion par rapport au Créateur. Et le salaire de cela, c'est la mort. La vie des autres fils restants de cet homme ne fut pas non plus particulière. Ils continuèrent à vivre comme tout le monde, sous l'influence et la culture prédominante de leur peuple et de leur famille. Comme toujours, lorsque nous appartenons à une société, à une culture, à une famille, l'influence des uns sur les autres nous permet de reproduire les mêmes habitudes, les mêmes pratiques, sans vraiment trop chercher à savoir quel est le sens profond et surtout l'origine spirituelle de ces comportements et de ce que nous avons peut-être adopté comme valeur. Il faut aller au fond des choses. Prenez le temps de découvrir et vous serez surpris. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nakhor était Milka. Milka, nous précise la Bible, était en réalité fille d'Aaron, c'est-à-dire nièce de celui qui devint son mari, sœur de Lot. C'est dans cette famille où nous disons, c'est dans la même maison que cela se passait. Car le deuxième fils restant de cet homme, Abraham, prit aussi dans leur propre maison sa sœur, ou disons sa demi-sœur, comme lui-même en fera la précision. Mais cela ne change rien sur le fait qu'ils sont et restent descendants d'un même père. Et ces croisements incestueux, co-sanguins, présagent et laissent apparaître la marque particulière d'une débauche familiale. Mais n'en faisons pas un procès. Le mœurs d'alors n'établissait pas des limites ou d'interdits pour ce genre de croisement par le mariage. Pour certains, cela finit par devenir comme une précaution sociale pour ne pas voir son héritage s'en aller vers d'autres familles. Alors on se maria et remaria entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, entre oncles et nièces et ainsi de suite. Voilà qui explique le contexte d'une famille ignorant Dieu, idolâtre d'une culture sans Dieu, comme toutes les cultures. Très souvent, de nos jours, les gens font l'éloge de leur culture. C'est notre culture, les valeurs culturelles. Tout cela doit être aligné. Tout cela doit être conformé à la culture et la seule, celle du royaume que Dieu donne et révèle à tous les hommes. Si nous devons nous en tenir tous à nos cultures, je parle de ceux qui font partie de l'Église, du corps de Christ, pour prétexter qu'en fonction de notre culture, il y a des habitudes, il y a des manières, il y a des choses qui se justifient, cela n'a plus de sens. Jésus-Christ est venu afin de ramener tous les hommes à une seule culture, la culture du royaume. La culture de votre pays, la culture de votre peuple, la culture de votre famille est une culture comme toutes les autres. Une culture païenne, une culture sans Dieu. Et si votre culture, heureusement, elle est chrétienne, elle est biblique, alors elle n'est plus particulière à votre famille, à votre pays. Elle est ce qu'elle doit être. Ainsi, cessons, arrêtons de revendiquer ou de présenter nos différentes cultures comme une valeur à laquelle il faut s'attacher et qu'il faut justifier. Lorsque les gens font cela, très souvent, c'est pour cacher leur impiété, c'est pour cacher leur cœur impénitent et leur perversion dans le cœur qui ne veut pas lâcher telle ou telle autre habitude. On parle de la culture occidentale, on parle de la culture moderne, et ces soi-disant cultures, justifiées même par les chrétiens, les poussent aujourd'hui à se déshabiller quand il faut s'habiller et à faire des choses tout à fait contraires à la morale et à la spiritualité. Et ces choses ne sont pas sans conséquences. Parce que vous êtes attaché à votre culture, parce que vous voulez la justifier, mais soyez prêts à assumer les conséquences de cela. Déjà sur la terre,
Mais n'oubliez pas que tous nous devons comparaître devant les tribunaux de celui qui nous a appelés et de celui qui nous a donné une seule ligne de conduite qu'on appelle la justice. Ainsi, par exemple, dans cette famille, Saraï, femme d'Abraham, était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Il est fort probable que la stérilité de la femme d'Abraham était la conséquence d'une malédiction devenue même génétique, qui s'est manifestée même chez les animaux pour marquer la nature perverse de liens incestueux. Pour avoir fait un peu d'élevage de porc, je sais que lorsqu'on croise deux bêtes d'une même origine, consanguin, cela donne très souvent un produit médiocre. Cela donne souvent de petits consanguins qui ne se développent pas bien. Cela est marqué, cela est inscrit même dans la nature. Et si nous pensons que Dieu a établi des lois et des barrières pour préserver de telles choses, nous pouvons comprendre combien le diable peut se servir donc des tels lits de malédiction et de péché pour amener encore des cas plus dramatiques. La science démontre aujourd'hui les effets maléfiques, comme nous avons dit, même chez les animaux, de ces croisements. Avoir des rapports au sein d'une même famille produit cette malédiction et affecte la descendance et parfois l'en prive même. Bref, je sais qu'il y a toutes sortes d'objections et des discussions autour de ces relations d'alors entre frères ou sœurs. On dit par exemple, si l'homme ne pouvait pas se marier avec sa sœur pour susciter une descendance et pour former une famille, on ne peut donc pas justifier où Caïn, par exemple, avait trouvé sa femme. Lorsque la Bible dit au commencement que Caïn prit une femme, elle ne mentionne pas que c'était sa sœur, considérant cette question évidente, dans la mesure où il n'y avait pas d'autres créatures sur la terre. Cela est sous-entendu, puisque nous voyons déjà dès les origines, la lignée d'une personne est très souvent reproduite et désignée par les mâles. Un homme peut avoir deux garçons et cinq filles, on comptera ces garçons et on laisse de côté les filles, puisque celles-ci seront reprises dans la famille où elles seront prises comme épouses. Mais ici, dans le cas d'Adam, ses enfants qui prirent des femmes étaient simplement des sœurs de ceux-ci. Même Abraham, l'homme qui devint le modèle de la foi pour tous les hommes, déclaré ami de Dieu, était un homme pécheur, idolâtre, vivant sous les mêmes influences, commettant les mêmes actes réprouvés, au même titre que ses contemporains et pères, avec les mêmes pratiques, on pourrait dire, justifiées ou pas, par l'absence de loi, mais cela ne change rien, que c'était un homme pécheur, dans une société idolâtre, dans une famille idolâtre, et qui vivait dans les désordres sexuels familiales. Abraham était pécheur, comme ses frères et tous ceux qui habitaient tout autour. Pour retourner à Dieu, il devait apprendre le moyen universel de communiquer et de contact que l'homme pouvait avoir pour retourner au Créateur, pour avoir une relation avec Dieu. Bref, le contexte familial de cet homme, Terah et son fils Abraham, et les mariages qui eurent lieu dans ce cadre, décrit ici l'état dégradé de cette famille d'alors, nous montre simplement, sans que ceci ne soit un procès, la nature sans Dieu et le niveau des dégradations que l'homme peut atteindre. Terah, nous dit-on, prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Et ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays des Canaans. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terah furent de 205 ans. Et Terah mourut à Charan.
Nous disons la démarche du père d'Abraham de sortir de son lieu d'origine pour effectuer ce voyage prépara alors la suite du voyage de la foi pour son fils Abraham. Lorsque Dieu va appeler Abraham, son voyage a déjà été préparé par son père qui les conduisit à Charan. Bien avant de quitter la maison familiale, ce contexte toujours idolâtre, Dieu a commencé un travail. Et ce travail se trouve exprimé de manière tout à fait indirecte dans la démarche du père de quitter son lieu de territoire sur une direction où Dieu va prendre la suite pour amener Abraham dans la continuité. Ceci est exprimé ailleurs dans les Écritures. Lorsque la Bible nous démontre ou fait remonter l'appel d'Abraham à Our en Chaldée et non à Charan. Et pourtant, le lieu exact du départ d'Abraham était Charan. La décision de quitter Our était prise par son père. Lorsqu'on rapproche ainsi ces deux éléments, on comprend que l'intuition de la foi, on comprend que cette aspiration de Dieu, sans que nous le connaissions vraiment, peut très souvent nous préparer la route. Lorsque nous parlons de la foi individuelle, il faudrait retenir toutefois que les conditions qui entourent cette foi individuelle sont très souvent préparées par d'autres, par l'entourage, par quelqu'un qui viendra de loin, peut-être par une mère pieuse, comme était Timothée avec ses parents, ou alors comme Abraham avec son père, ne sachant pas que le voyage dans lequel ils s'embarquaient était comme un appel de Dieu, comme une intuition pour aller à la rencontre de quelque chose de grand. Nous disons donc l'intuition de l'appel de la foi, c'est la foi sans encore la nommer avec clarté. C'est l'école maternelle de la foi intuitive qui nous pousse et nous conduit vers le lieu où Dieu devra clairement nous rencontrer. Là où Dieu devra manifestement nous parler et nous donner de choisir de manière consciente de lui appartenir tout en nous laissant le libre choix pour accepter ou pour refuser son appel. Oui, Dieu nous prépare. Avant la révélation, Dieu travaille dans notre cœur, Dieu travaille les circonstances qui entourent notre vie afin que nous puissions le rencontrer sur notre chemin. Nous avons tous comme Abraham un hérédité chargé de péché et de malédiction. Cependant, Dieu vient nous appeler pour nous délivrer de cette puissance, de cette hérédité, de cette situation qui nous prive de connaître sa puissance. C'est comme cela que nous avons besoin de connaître et d'appartenir au royaume de Dieu, de répondre à son appel de la foi pour le suivre et lui appartenir totalement, lui appartenir véritablement. Cependant, en parlant de l'intuition de la foi, en ayant retracé un peu les parcours de l'homme et le contexte de nos origines, je voudrais par ce message démontrer simplement que tous nous sommes pécheurs, que tous nous sommes chargés d'une manière ou d'une autre, d'une influence négative, d'une hérédité de malédiction, très souvent mêlée à des pactes, mêlée à des actes de tuerie, mêlée à de la sorcellerie, mêlée à des choses mauvaises, réprobables devant Dieu, dont nous sommes malheureusement les dignes héritiers. À l'inverse, malgré cette malédiction, malgré cette condition piégée, Dieu qui nous aime, dans ce même contexte de malédiction, dans ce même contexte de sorcellerie, dans ce même contexte d'ignorance de Dieu, c'est Dieu-là suscite dans notre cœur, par notre marche, cette intuition qui va bientôt nous amener au lieu exact pour entendre la voix de la révélation, afin de connaître et de découvrir celui qui était, qui est et qui sera à jamais, Jésus-Christ. Je vous invite donc à rechercher de tout votre cœur. Comme dit l'Écriture, il a voulu qu'on le cherche même en tâtonnant, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ce message d'introduction voulait simplement vous présenter cette situation d'Abraham et l'origine de l'homme et le désordre qui s'est développé avant même que celui-ci ne soit appelé par Dieu pour vous dire, vous êtes peut-être dans ce cas.
Vous êtes peut-être issu d'une famille qui est comme la tour de Babel. Vous êtes peut-être issu d'une famille qui représente peut-être la famille d'Abraham. Vous êtes vous aussi héritier de cette hérédité que vous n'avez ni provoquée, qui n'est pas du tout votre responsabilité. Cependant, vous êtes là-dedans et c'est votre lot. Mais l'intuition de la foi même avant la foi, vous prépare afin de vous conduire vers le vrai Dieu. Voudrez-vous être attentif pour savoir qu'est-ce que Dieu veut et attend de vous? Ne vous justifiez pas par votre situation, par vos malédictions, par je ne sais pas quelle situation difficile qui vous éprouve maintenant et qui vous met en rébellion afin de condamner encore Dieu. Sachez que tout homme est pécheur, privé de la gloire de Dieu, et les conséquences de ses péchés, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie par Jésus-Christ. Voulez-vous connaître cette vie? Voulez-vous venir à Dieu afin de voir toutes ces situations de votre vie être changées? Comme Abraham qui devait répondre à Dieu et le suivre sur ses voyages qui lui permettra bientôt de devenir le père d'une multitude. Cet homme, resté dans son contexte familial, n'aurait jamais eu un seul œuf puisque sa femme était stérile. Cependant, lorsque Dieu vient vous rencontrer, il connaît votre situation, il vous appelle pour une situation meilleure. Même si son école pourra vous paraître dure, mais la finalité sera de montrer que Dieu n'a jamais tort. Dieu vous appelle. Peut-être êtes-vous dans une situation familiale où vous ne voulez pas vous éloigner parce que vous bénéficiez encore et vous jouissez des retombées de cette famille, des retombées de toutes ces choses qui vous entourent. Mais sachez, un jour ou l'autre, il vous faudra aussi payer votre lot. Il vous faudra aussi payer votre part. Avant que cela n'arrive, avant que vous vous rendiez compte, ce que vous pensiez être une bénédiction, ce que vous pensiez être une situation préparée pour vous afin que vous soyez un prince, afin que vous soyez un héritier, n'était fait que de sang, n'était fait que de tuerie et de sorcellerie. Il est temps de répondre à Dieu et de le suivre. Très souvent, comme dit un de nos chants chrétiens, partir, c'est mourir un peu. Mais partir pour trouver Dieu, c'est trouver la vie.